them. Ça isément, c'est une nourriture pour les génies. Donc avant que tu ne touches à quoi que ce soit, déjà là j'ai pas mangé, j'ai seulement bu. Quand on commence déjà à fabriquer soit un grelot ou une harpe ou un tam-tam, on boit seulement, on ne mange pas. Hein? Ça c'est pour éviter les fissures, c'est pour éviter les blessures. Parce que tu enfreins les lois. Les lois c'est quoi? Tu couches pas. Hein? Tu couches pas la femme, tu manges pas, parce que demain matin, tu dois faire un travail spirituel, parce que ça c'est spirituel. Hein? C'est vrai, bon, on voit, c'est un morceau de bois, hein? On va le fabriquer et puis allez, c'est tout, on peut la jouer comme on veut, mais qui il est? C'est un être humain comme toi, c'est un esprit, donc il faut respecter ses lois. Quand tu ne respectes pas ses lois, ben, tu tombes, et quand tu tombes, ben, tu vas partir de mal en mal. Tu te blesses à chaque fois que tu fabriques parce que tu l'as désobéi. Donc il faut éviter de faire ce qu'eux, ils ne veulent pas. Tiens, va donner au couteau là-bas, s'il te plaît. Oui, fumer et boire. Mais vous ne mangez pas jusqu'à la fin de la fabrication. Ça. Même les gens ici. Oh, vous avez déjà mangé, hein? Vous êtes juste des assistants, des observateurs. Okay. Pourquoi on frotte le kaolé? Parce que il faut déjà d'abord le demander pardon pour le blesser. Parce que bientôt il va se faire blesser. Voilà. Lorsque vous allez en brousse, le chercher, hein, vous vous faites déjà connaissance depuis là-bas, vous commencez déjà à lui demander pardon, pourquoi tu vas le chercher, pour quelle pièce. Il faut toujours demander, hein, toujours pardon. Parce que ce bois-là, par exemple, celui-là, il a une sève qui est incontournable, donc aucun insecte ne le bouffe, pas de rongeur. Chez les Echira, c'est le Mungongoma. Chez les Bapounou, c'est le Mungongomfi. Hein? Maintenant, les Miennes et les Nichogo, ils appellent ça Ozozo. C'est un bois, hein, où je sais que plus de 30, 40, 50 ans, voire 60, voire 80 ans, même un siècle, il peut arriver. C'est à vie. Citer ce mot français. En Echira, on appelle ça Ngombi. En Bapounou, on appelle ça Ngomfi. On la joue où il y a une veillée traditionnelle, quand il y a des grands maîtres traditionnels qui sont morts, aussi à l'initiation. Voilà, là on joue. Ce sont les aïeux qui ont laissé ça comme ça. Il faut aller dans la forêt pour trouver ce que tu cherches. Hein? Dans la ville, tu ne peux pas trouver ce que tu cherches si tu ne mets pas pied dans la forêt. Mais lorsque tu demandes que tu as envie d'apprendre, la première de chose, c'est d'abord aimer. Hein? C'est d'abord aimer. Avoir l'amour de ce que tu as envie de faire. Mais maintenant, si tu n'as pas l'amour de ça, mais tu vas de mal en pire. Aime-toi d'abord toi-même. Hein? Si déjà tu t'aimes toi-même, l'esprit. Il y a un esprit obligatoirement qui va t'aimer pour dire, bon, puisqu'il m'a aimé, moi je vais l'aimer et je vais l'aider.
Pendant que je suis en train de la fabriquer, on est capable de me dire, bon, les chevilles seront soit en padouk ou en ébène ou en bois simple. J'exécute. Je ne peux pas imposer, je ne peux pas insister sur le modèle qu'ils veulent. La révélation, je l'ai eue depuis 4 jours. Là, on m'a demandé de le mincir un peu. C'est pourquoi tu vois, je vais maintenant frotter l'autre côté, parce qu'on va maintenant dans une autre étape. Là, dès que j'ai fini les deux côtés, je viens, je mets la plateforme, aplatir ici, hein, pour tracer maintenant l'entrée en matière. Il est très content, c'est pourquoi tu vois, je caresse. Parce que s'il y a un défaut, tout de suite, je change de bois. Nous sommes en train de fuir nos responsabilités. Nous sommes en train de fuir nos cultures. Mais lorsque nous sommes en train de les fuir, mais ça veut dire que le peuple africain a tout perdu, parce que tout le monde serait obligé maintenant d'aller dans les églises. Mais vous allez adorer une culture. Hein? Or, la vôtre, vous êtes perdu, parce que lorsque vous partez d'une barque, hein, à une autre, en oubliant réellement que vous avez commencé à ramer avant d'avoir un moteur hors bord. Mais vous êtes habitué, vous connaissez la rame. Mais continuez avec la rame. Ça, c'est ce que vous connaissez. Ce qui est compliqué, c'est que l'homme africain
a honte de qui il est. Et moi, je n'ai pas honte. Bon, sauf les femmes qui sont de l'autre côté. Hein? Ça veut dire que les femmes à quatre yeux, quoi. Ouais. Papa, amène-moi du miel, s'il te plaît.
On a fini l'intérieur. Maintenant, il faut maintenant polir l'arrière. La beauté est terminée. Le bois de mon Sanfi, il pousse au bord des marécages. C'est un bois très très dur. Ce sont les racines. Celui-là, même si la tempête souffle, il ne se déracine jamais. Parce que autour de lui, il a plus de 100 racines. La longueur du manche va calculer comment? Dans la tête. Ouais. La seule chose que tu peux mettre, c'est les trous de cheville. Hein? Que tu dois prendre centimètre par centimètre. Donc le même métrage que tu mets ici, c'est le même métrage que tu mets sur le ventre de la cithare. Vous prenez jamais un ancien instrument pour comparer? Non, j'ai plus besoin. Qu'est-ce que vous faites plus, vous? La façon traditionnelle ou la version plus rapide? Bon, je fais les deux. Je fais les deux. Par exemple, là, je pouvais amener ce tronc à la menuiserie. On me le taille sur quatre faces. Après, j'attaque avec la machette.
Je dis, ça ne sert à rien d'aller dépenser de l'argent à la menuiserie. Hein? Et ça fait aussi un sport. Ça fait aussi un sport, hein, de transpirer un peu. Gadi, amène-la pour qu'il ne soit pas jaloux. Représenté là, une branche de iboga. Il y a la corne de buti et puis la corne des lombos. La corne des lombos, elle est plus courte et c'est celle qui est là qui représente ça. Ok, je m'arrête là, c'est tout. C'est le pas du coup. Je vais apprendre la sienne et tout.
l'intention de ramollir la peau. Elle avait durci du fait d'avoir séché. Mais là, je suis en train de la ramollir pour qu'elle soit, utilisable en fait. Ce sont des trous. On pouvait le faire avec, avec une pointe chauffée au feu. Mais j'ai plus de bois. C'est pourquoi j'ai préféré aller. J'ai pris le raccourci. Traditionnellement, ça se fait à la main. Tout est à la main. D'abord un avant-nœud pour qu'il ne coulisse pas lorsqu'on va tendre. Parce que si la tige, la petite cale, tombe, tout de suite il se détache et puis en l'air. Pour qu'elle ne glisse pas, vous êtes obligé de mettre une cale qui est le premier nœud. Là, maintenant, on va à la phase cordage. Pourquoi on doit mettre de la ficelle après la corde? Parce que c'est celui qui règle. On prend la corde, on la enroule, on la fait passer
au milieu de la corde, on la tire, elle est calée et on tend, on la fait passer au-dessus de la grande branche, donc de la colonne. Calé. Passer sur la cheville. Hein? Bon. Maintenant, la phase suivante, c'est maintenant le réglage de son. Donc en la fabriquant, tu la prépares déjà à son départ pour ici. Tout à fait. Tout à fait. Et là-bas, elle n'aura pas de problème. Mais elle n'aura jamais de problème parce qu'elle va s'adapter parce que elle est entre des bonnes mains et qui prendra soin de ça, de lui ou d'elle. Est-ce qu'elle ne sera pas triste qu'elle ne sera pas jouée? Non. Elle ne serait pas triste parce que déjà dans lui, il sait déjà que je m'en vais, hein, c'est pour montrer ma beauté, hein, montrer qui je suis. Hein, et les gens vont m'apprécier, les gens vont m'aimer, les gens vont me caresser même. Sauf si maintenant on le met dans une glace que n'y touche. Mais si c'est quelque chose, c'est un instrument qu'on doit toucher, on va obligatoirement la caresser, toucher la peau, toucher comment, hein, comment le bois est fait et tout et tout. Est-ce que. Voilà. On va appeler ça un mythe. C'est déjà un mythe, c'est quelque chose qui est là. Mais la musique, elle reste là-dedans. C'est, même quand ma fille verra ça un jour, quand il regardera ça là, dira, le papa est en train de jouer la sitar. Parce qu'il sait que ça c'est. Parce que moi quand je fabrique quelque chose, j'ai des modèles personnels. Ce qui m'a fait plus plaisir, c'est que mes enfants le verront. Les enfants de mes enfants le verront. Et les amis de mes enfants le verront quand ils vont leur présenter que ça c'est papa qui l'a fait. Ça c'est papa qui l'a fait. Ça c'est papa qui l'a fait. Ça me. Ça, ça.
Oh, you are,